Salut les chimistes, bienvenue dans ce micro-tuto de chimie organique. Aujourd'hui, nous allons parler réactivité des alcènes et dérivés éthyléniques, et plus précisément de la réaction d'hydratation acido-catalysée. Cette leçon s'adresse à des étudiants niveau Bac plus 1 ou Bac plus 2 selon votre formation. La liste des prérequis est détaillée dans le descriptif lié à la vidéo. Je précise d'avance que dans cette vidéo, je vais donner les grandes lignes de cette réaction, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail des aspects thermodynamiques et cinétiques. Par conséquent, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à télécharger le cours gratuit que je vous mets dans le descriptif lié à cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez être notifié à chaque nouvelle leçon de chimie organique, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, maintenant qu'on en a terminé avec la partie administrative, passons à la chimie. C'est parti! L'hydratation acido-catalysée des alcènes permet de former des alcools. Elle a d'ailleurs un intérêt dans l'industrie puisqu'elle permet d'accéder à de petits alcools comme l'éthanol, le propanol ou encore des butanols. Si vous mélangez directement un alcène et de l'eau, rien ne va se passer. Pourquoi ? Et bien parce que ces deux réactifs sont tous les deux des nucléophiles. Or, on l'a déjà dit, un nucléophile va plutôt réagir avec un électrophile. C'est pourquoi la réaction acido-catalysée va se faire dans un milieu acide avec un acide fort qui va servir de catalyseur. Alors, regardons une réaction pour y voir plus clair. Considérons le E3,4-diméthylpentaN qui va réagir avec une molécule d'eau en présence d'acide sulfurique quand même plutôt concentré. L'acide sulfurique va jouer le rôle de catalyseur, mais ça on en reparlera plus tard. Une hydratation, c'est ajouter de l'eau à la molécule. De même que vous, quand vous vous hydratez, bah vous buvez de l'eau. L'alcène, quand il s'hydrate, il va intégrer une molécule d'eau dans sa formule globale. Ce qui fait que les deux carbones de l'alcène, il y en a un qui va se greffer à un groupement OH et l'autre à un atome d'hydrogène. On a donc deux combinaisons possibles, soit deux régioisomères, aussi appelés isomères de position. Concernant le choix de l'acide catalyseur, nos choix pourront s'orienter vers des acides dont la base conjuguée n'est pas nucléophile. Donc on pourra choisir par exemple de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique ou encore de l'acide trifluoroacétique. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin. Expérimentalement, on se rend compte que c'est l'alcool qui est à gauche qui est l'alcool obtenu majoritairement. Dans la mesure où nous formons majoritairement un régioisomère, on peut dire que cette réaction est régio-sélective, c'est-à-dire qu'elle va favoriser un régioisomère par rapport à l'autre. D'un point de vue de la stéréosélectivité, si on mesure le pouvoir rotatoire du mélange final, eh ben on va trouver qu'il n'a aucune activité optique. Pourtant, si vous regardez bien, on voit qu'on forme des carbones asymétriques dans chacun de ces deux alcools. La non-activité optique de ce mélange suggère que la réaction n'est pas stéréosélective. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'alcool majoritaire, eh bien on l'aura sous forme de ces deux énantiomères en égale proportion, et que pour l'alcool minoritaire, on l'aura sous forme de ces quatre stéroisomères en égale proportion. Par compensation, on n'aura donc aucune activité optique. Il sera important donc de se rappeler que cette réaction d'hydratation acido-catalysée des alcènes est une réaction régio-sélective et non stéréosélective. Alors enfin, avant de passer à la suite, il me paraît essentiel de dire encore deux choses. De un, c'est la réaction d'hydratation des alcènes est une réaction renversable. Et la réaction inverse de l'hydratation d'un alcène sera bien sûr la déshydratation d'un alcool qui conduira alors à de l'eau. Et un alcène. Concernant cette renversabilité, si on souhaite hydrater un alcène, on travaillera plutôt à froid. Alors ça dépend ce qu'on entend à froid, ça peut être du 50 degrés, mais sur des températures pas trop élevées pour la favoriser thermodynamiquement, et en présence d'eau. Alors que si on souhaite déshydrater un alcool, au contraire, on va chauffer, la constante d'équilibre du coup va être favorisée dans le sens de formation de l'alcène, et on va éviter la présence d'eau. Ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller vous intéresser à l'aspect thermodynamique que je détaille dans le polycopié qui est en ligne. L'autre chose importante que je dois vous dire, c'est que cette réaction est généralement sous contrôle cinétique. D'accord ? Quand une réaction est renversable, elle peut être sous contrôle thermo ou sous contrôle cinétique, il ne faut pas avoir d'a priori. Dans ce cas-là, on a une réaction qui est sous contrôle cinétique, ça veut dire que le produit majoritaire de la réaction est le produit qui se forme le plus rapidement. Autrement dit, le régioisomère A est un produit qui se forme plus rapidement que le régioisomère B. Donc nous retiendrons que la réaction d'hydratation acido-catalysée des alcènes est une réaction renversable mais qui a lieu généralement sous contrôle cinétique.
Passons maintenant au mécanisme réactionnel. Bien, avant d'écrire ce fameux mécanisme, je pense qu'il y a deux choses importantes à dire, parce que l'idée, c'est de surtout pas apprendre par cœur vos mécanismes réactionnels, mais d'être capable de les retrouver avec des éléments simples, et vous allez voir qu'ils sont toujours les mêmes. Tout d'abord, quand vous travaillez avec un catalyseur, donc ici le catalyseur effectif, on va le modéliser par H+, un proton qui est libéré par l'acide fort, de façon générale, le catalyseur va être consommé dans la première étape du mécanisme pour activer quelque chose, et régénéré dans la dernière étape du mécanisme. Donc au final, on va écrire une première étape avec H+ qui intervient, et à la fin, on doit vérifier qu'H+ est bien revenu. L'autre chose, c'est que vous voyez que dans cette réaction, on forme une liaison carbone-oxygène. Et cette liaison carbone-oxygène provient nécessairement d'une étape dans laquelle on a un carbone électrophile et un oxygène nucléophile. L'oxygène nucléophile, bien sûr, provient de la molécule d'eau, et le carbone électrophile, c'est un des carbones qu'on a au début dans la scène, et on va voir justement comment il se forme. Mais bon, je pense que vous me voyez venir de bien loin avec mes carbocations. Allez, écrivons le mécanisme. Alors, dans la première étape, on va avoir l'alcène face à un proton H+. Donc là, il va s'agir d'une addition électrophile. Donc, on raisonne du point de vue du substrat. L'alcène va capter le proton. Donc, il s'agit d'un électrophile. Du coup, on appelle cet acte élémentaire une addition électrophile. On remarque que, selon l'endroit où je vais fixer le proton, sur le carbone de gauche ou le carbone de droite, on peut avoir deux carbocations régio-isomères. C'est donc cette étape-là qui va fixer la sélectivité de la réaction. Alors au passage, cette première étape est l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme. Ce qui se comprend assez bien puisqu'on passe d'un alcène, donc d'une molécule qu'on peut isoler facilement, à un carbocation intermédiaire réactionnel très instable et d'ailleurs non isolable, sauf dans des cas exotiques. D'accord ? Donc cette étape difficile à faire est une étape lente qui va être l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme. Sur le rôle de ce catalyseur acide, on l'a dit, l'alcène et l'eau sont tous deux des nucléophiles. Donc il va bien falloir que l'un des deux réagisse d'abord avec un électrophile, le proton libéré par un acide fort justement, pour former un électrophile qui à son tour réagira avec le second nucléophile. Alors je vais finir le mécanisme sur l'un des deux carbocations, en l'occurrence celui qui conduit à l'alcool majoritaire, et l'autre je l'écrirai plus rapidement. Ce carbocation tertiaire est un bon électrophile, comme on l'a vu dans la vidéo sur les électrophiles. Il va donc réagir avec la molécule d'eau qui va venir faire une addition nucléophile. Dans cette étape d'addition nucléophile, on a la création de la liaison carbone-oxygène entre le carbone électrophile du carbocation et l'oxygène nucléophile de l'eau. Cet acte élémentaire va conduire à un ion alkoxonium, comme ceci, qui va enfin, dans une troisième étape de mécanisme, comme on l'a dit, libérer le proton. Le catalyseur est donc bien régénéré. Enfin, je peux écrire exactement le même mécanisme, donc je le fais très rapidement, à partir de l'autre carbocation, et on voit bien qu'on retrouve nos deux chers alcools. En fait, pour expliquer proprement cette sélectivité, il faut faire appel au postulat de Hamon, qui dit qu'au cours d'un acte élémentaire, deux états successifs proches en énergie sont également proches en structure. Il se trouve qu'une des conséquences de ce postulat de Hamon, c'est que le carbocation le plus stable est celui qui se forme le plus rapidement. Donc on est bien dans un raisonnement de contrôle cinétique. Pour ceux qui veulent voir l'explication un peu plus détaillée, je vous renvoie au document de cours que j'ai mis dans le descriptif. Quoi qu'il en soit, nous, ce que nous retiendrons, c'est que même dans le cadre de ce contrôle cinétique, l'alcool majoritaire est issu du carbocation le plus stable. Dans le cas que nous étudions, le carbocation tertiaire étant plus stable que le carbocation secondaire, c'est lui qui se forme le plus rapidement et qui va conduire à l'alcool majoritaire. On a à peu près fait le tour de l'histoire sur l'hydratation acido-catalysée des alcènes, donc là, normalement, vous devez être capable de donner les conditions expérimentales, le bilan de la réaction et la régio-stéréosélectivité ainsi que le mécanisme réactionnel. Je vais finir par la question du jour. Considérons la molécule suivante. On lui fait subir une réaction d'hydratation acido-catalysée. J'aimerais que vous essayiez de prévoir quel va être le régio-isomère majoritaire de la réaction. Je précise pour ceux qui ne le savent peut-être pas que dans cette molécule, vous avez un cycle benzénique. Et donc ces cycles benzéniques présentent une réactivité qui est différente de celle des alcènes qu'on va être en train d'étudier ici. D'accord ? Donc on va bien se focaliser sur la double liaison qui est à droite. Conclusion ? Pour
Oui, bon, en conclusion, on a vu qu'on avait une méthode de formation des alcools à partir des alcènes qui est régiosélective et qui passe du coup par le carbocation le plus stable. Alors cette méthode en synthèse n'est pas toujours tant utilisée que ça en fait, parce qu'il y a des conditions acides assez dures qui font que certains groupes fonctionnels vont être trop sensibles et ça peut conduire à des réactions parasites. L'intérêt de la réaction de dégradation acido-catalysée en synthèse reste assez limité. Nous verrons dans la prochaine vidéo la séquence hydroboration-oxydation-hydrolyse, toujours à partir des alcènes, qui va être une méthode de formation des alcools complémentaire de celle qu'on a vue aujourd'hui. Je vous invite donc à la regarder. J'espère que vous prenez du plaisir à étudier la chimie organique. Moi en tout cas, ça m'éclate bien de vous faire ces vidéos. Si vous appréciez ce travail gratuit, n'oubliez pas, mettez des likes pour encourager. Faites tourner l'attention de vos amis chimistes. Vous pouvez également suivre l'actualité de Blablaro au labo, Blablaro au tableau, tout ça, sur la page Facebook. Et je vous souhaite d'excellentes révisions. À bientôt au tableau! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Hein.